si on est levé, qu'on aille faire un réveil musculaire avant le petit-déj ou juste après le petit-déj, avant d'aller taper à 7h, tu vois, et après 8h, moi ça me va, et si ça vous va, c'est cool. Mais j'ai pas envie de vous l'imposer, parce que si jamais par miracle vous dormez, j'ai pas envie de vous dire, bah non, non, levez-vous à 7h, au contraire, si vous vous recalez direct. Et dans ces cas-là, on part sur le tennis à 11h avec juste un échauffement comme vous avez l'habitude de faire vers 10h, on prend le temps. Je pense que vous pouvez vous retrouver à bien dormir entre 6 et 10h du matin. En fait, moi, j'ai pas dormi dans le premier. Il faut pas vous couper de ça. C'est un peu dur, là, le premier jour. J'ai dormi 4 heures. C'est very difficult. C'était compliqué, je me suis réveillée à 2h et je me suis endormie à 7h. Avec le réveil à 9h. Et du coup, ça donne ce résultat-là. Non, c'est chaud, ouais, c'est dur. Mais bon, ça va, c'est après. Au moins, j'ai dormi toute la nuit. J'ai dormi de 1h à maintenant. Mange une petite tartine, ça te redonne un coup de fouet, moi, c'est ce que ça fait. Excellent. Après 30 heures de voyage, on est là. Hey, c'est cool de te voir. T'as écouté les conseils de Tata Popo alors pour ce même. Mais dans le premier vol, c'est impossible de dormir. Ouais, c'est impossible. Moi, j'ai dormi 7 heures sur le deuxième vol. J'ai fait ma nuit, quoi. J'ai fait mini-sieste sur mini-sieste. Enjoy. Oui.